Bon, salut à tous, c'est pour vous parler d'un départ côté niçois. Christophe Ferrel qui part pour le stade brestois 5 millions d'euros. Voilà, il joue très bon défenseur, solide sur ses jambes. Je crois qu'il a 29 ans. Voilà, bah, Ferrel, dommage que tu partes. En plus, t'es un enfant du club, voilà, t'es né à Nice et tout. Je te souhaite que du beau courage au stade brestois. Bonne continuation là-bas. Voilà, j'espère que tu vas faire une grosse saison au stade brestois. Et voilà, c'est franchement à tous les Niçois, ça nous fait de la peine que tu partes du club RL parce que voilà, on t'a acheté les stacks pour venir à Nice pour et tout. Voilà, t'es l'enfant du club, nous au Populaire Suite on t'adore, tu vois, Irel. Et franchement, je vais pas mentir, ça nous fait quelque chose au fond de nous, parce qu'un pur niçois qui part comme ça nous fait quelque chose. Et ça fait comme Hugo Loris, vous voyez. Bref, franchement, ça. J'espère que tu vas exploser encore au stade brestois. Voilà. J'espère que tu vas aller faire maintenir aussi les Brestois en Ligue 1. Moi, on va te voir encore en Ligue 1 cette saison-là. On va le voir encore cette saison-là, RL. Voilà. Encore une ou deux petites dédicaces à faire. Une pour ma petite copine. Voilà, que je l'aime et tout. Je veux faire ma vie avec elle, bref. Encore deux autres. Une, bah, comme vous avez eu l'habitude maintenant, Tonissa, voilà. Et une autre, Steve, supporter of Marseille. Voilà, elle suit parce que lui aussi, il envoie du lourd. Il parle du mercato marseillais. Voilà, il fait des débriefs sur Marseille. Voilà, force à lui et à Tonissa aussi. Bref, on revient sur RL. RL est très très bon sur ses jambes. Voilà, c'est quelqu'un qui c'est très rare de le faire bouger. Voilà, je voulais qu'il reste une saison de plus cette saison-là à Nice. Christophe Ferrel, en plus c'était sa dernière année dans le club. Voilà, c'est franchement moi quoi, ça me fait quelque chose de. Ouais, ça me fait quelque chose qui paraît réel. Et honnêtement, franchement, c'est chelou. Franchement, voilà, c'est chelou. Moi, au pire, comme pur niçois, voilà, de voir des mecs comme RL, comme Sarr et tout, qui partent, ou aussi Sonny Annie, ça me fait quelque chose. Bah, à tout à l'heure, pour une nouvelle vidéo, ici à Nice.